Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter des nouveautés qui sont arrivées depuis la mise à jour de Fortnite de hier. En fait, il y a une nouveauté par rapport aux demandes de remboursement que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors logiquement, regardez-moi dans mes paramètres, quand je vais dans demande de remboursement, donc tout en bas dans compte et confidentialité, je peux faire des demandes de remboursement. Donc là, j'ai 3 tickets de disponibles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser. Je vais en utiliser une pour vous présenter comment ça fonctionne maintenant. Donc peut-être que vous maintenant, vous en avez moins de 3 de disponibles, mais peut-être que vous en avez reçu 3 nouveaux. Ça, je ne sais pas vraiment parce que voilà, j'ai qu'un compte, je ne sais pas vraiment vous dire si vous en avez eu 3 ou si... vous en avez reçu qu'une seule de nouvelles. Donc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous avez eu 3 nouveaux demandes de remboursement ou si vous en avez reçu qu'une seule. Moi, j'en ai reçu 3. Peut-être que ça faisait longtemps que je n'en avais pas demandé de remboursement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils m'en ont donné 3 directement. Alors, maintenant, je vais faire un truc. Je vais acheter un produit dans Fortnite. Je vais acheter, par exemple, ce truc-là à 300 V-Bucks. Donc, boum, j'achète. Voilà. Ok, donc, obtenir. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux annuler l'achat en maintenant triangle. Regardez, ça, je peux l'annuler. Seulement et uniquement si je reste sur l'achat. Si, par exemple, j'aurais fait rond et que je serais retourné, je n'aurais pas pu l'annuler. Donc là, regardez, je vais le racheter. Donc là, ok, il me demande une remarque. Je vais acheter un autre truc. Je vais acheter ça. Hop, je l'achète. Là, je fais obtenir. Là, j'ai la possibilité d'annuler l'achat. Mais si maintenant, je fais rond et que je retourne dessus, je ne peux plus annuler l'achat. Voilà. Je ne peux plus annuler l'achat parce qu'en fait, j'ai fait rond. C'est au cas où vous ferez un misclic, quoi. Vous cliquez sans faire exprès. Donc maintenant que j'ai acheté ces pioches, je me dis, ah ouais, non, j'aime pas trop. Eh bien, j'ai 30 jours pour annuler l'achat. Donc, je peux même jouer avec et tout. Hein. Si je veux, je lance une partie, je joue avec, je le teste. Et je me dis, ouais, non, en fait, j'aime pas, j'ai usé des V-Bucks pour rien, j'ai usé de l'argent pour rien. Ben, tant pis, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est aller directement dans compte et confidentialité, demander un remboursement. Et là, je peux demander ce remboursement-là grâce à mes tickets d'achat. Alors, je vais vous expliquer la nouveauté qui est vraiment pas mal. C'est que là, regardez, attends, seuls les E1, acheter le 13 octobre 2021. Ok, donc là, je clique sur... X, je crois. Bah non, ça ne marche pas. Pourquoi je ne peux rien faire? Ah, voilà. Donc, sélection. Je sélectionne celui-là. Achat différent de mes attentes. Voilà, je vais mettre différent de mes attentes. Envoyer la demande. Il vous reste 3 demandes de remboursement. Une fois cette demande utilisée, vous devrez attendre jusqu'au 13 octobre 2022 pour avoir une nouvelle demande. En fait, toutes les années maintenant, vous aurez une demande, une nouvelle demande. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc oui. Toutes les années, vous aurez une nouvelle demande de remboursement offerte par Fortnite. Donc, si maintenant j'utilise les trois demandes, il faudra que j'attende un an pour en obtenir une nouvelle. Donc, regardez, disponible le 13 octobre 2022, je pourrai obtenir un troisième ticket de remboursement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'avant, on avait 3 tickets de remboursement et on ne pouvait pas en obtenir plus. Là, maintenant, avec ce nouveau système, on peut en obtenir un chaque année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez stylé et d'assez bien que Fortnite nous a ajouté depuis la mise à jour d'hier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.